Bon ben, on attend notre président. Il faut que je sois là. Bon. Je sais pas. Non, on est en plein air. On est en plein air, non? Oui, on est en plein air. Et en plus, avec le... Oui. Puis ça, donc ça va se mettre sur notre tentare. Voilà. Donc voilà, voilà. Un papy Jeannot bien entouré. Ah, tu me l'as là. Ah, non, 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 il peut être là. Donc, non, 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 il est bien entouré. Généralement, c'est lui qui interviewe, mais cette fois-ci, c'est nous. Alors, monsieur Jeannot Ramabaza, voilà. Vous êtes parmi aujourd'hui l'actualité. Oui. À la fois politique et économique. Oui, oui. Et on vous suit. Une icône, voilà. Qui compte. Donc, voilà. Ouais. Bon, allez, quelques petits mots, voilà, à l'occasion de cette belle soirée de gala. Ah, ben, actuellement, il faut quand même déjà être fier d'avoir un président jeune qui est admiré par le MEDEF, qui donne plein d'espoir à un Maroc plus ou moins, je ne sais plus, pour ne pas dire des bêtises. Et là, je suis entouré
de voilà, on dit pas blanche, et il faut dire à Sophie, hein, c'est pas un secret parce qu'elle n'était pas encore née. Nous, on habitait aussi au foyer à la gauche. Oui, quand votre père était, faisait son école de... Et je le battais aux dames. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a mes deux frères qui jouent à la belote avec lui. Donc, le monde est petit. Ça, c'est une institution, la belote. Comme le caméraman Augustin va vous prendre là, mais vous êtes le porte craché de votre papa. Il ne faut pas trop le dire devant mon mari parce qu'il va se dire « Purée, toutes les nuits, j'ai Didier Ratirac dans mon lit. » Il est où? Il est où? Non, il est pas là. Il est à Mada. Il est à Mada. Donc, je remercie monsieur le directeur général des projets présidentiels qui est là en le papillon formidable. Bah, c'est son jour. Moi, je dis, pour rester jeune, il ne faut pas oublier que j'ai 67 ans. Donc, il faut toujours sourire, les gars. Et comme je suis un lion... Ah, je défie les gars là qui vont faire la grande gueule. On est ici pour s'amuser. Et puis ça va. En tant que lion, donc vous êtes en train de. Voilà. Et le président va arriver. Okay. Oui. Merci. La ligne 4.
Et Toka Ketsoni, Madame Swatina, directrice en communication du président. Bien Arthur Fadé, Inamouti. Là, nous n'en avons pas un pied. Nous n'en avons pas un pied. Il y a la Malacasa, c'est-à-dire un président, un Brasil. Il y a la Malabuna, qui a été en délégation marocaine. La Missy, qui a été en patronat français, à Savoie. De la Savoie, il y a aussi la délégation de Malacasa. Na Wajina, c'est un temps sans distance. C'est un français. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de Zai tinha na manatuava na de Zai fecha. Neto pavião do fim tinha. Pavião do fim. E na tup, só tinha tup. C'est fantastique. Salut à tous, c'est Fanta. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.
propose à tous d'écouter le discours de son Excellence André Rajoelina, le président de la République de Madagascar. Monsieur le secrétaire d'État, cher Jean-Baptiste Lemoine, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, Madame la Secrétaire Générale de l'OIF, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous également ce soir. Mesdames et Messieurs les ministres, chers présidents de groupements et capitaines d'industrie, moteurs de nos économies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, vous tous ici présents. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour ce dîner en l'honneur de Madagascar, mais surtout en hommage à nos amitiés, nos liens tissés et aux coopérations à venir. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre présence ce soir, qui témoigne de votre attachement, mais surtout de votre foi en notre grande île qui est Madagascar. Laissez-moi vous assurer également que la participation d'une telle délégation d'opérateurs et industriels malagasses, aussi qualitative et nombreuse, est historique pour l'histoire des liens entre les entrepreneurs francophones ici réunis ici à Paris. Et je tiens d'ailleurs ici à les remercier pour leur participation massive et leur volontarisme. C'est ainsi que je demande de les applaudir chaleureusement. Cher capitaine d'industrie, cela fait chaud au cœur. Et que même seulement à une semaine, vous n'avez pas hésité à rejoindre ce mouvement et à participer à la REF 2021. Madagascar est là, et cela témoigne de notre volonté et de notre détermination, mais surtout de la conviction de l'État malagasse en l'importance du partenariat public-privé qui est le socle de tout développement économique efficace. Nous avons passé deux journées de travail intense, riche en échanges et en partage, et surtout plein d'espoir ici à Paris, dans le cadre de la rencontre des entrepreneurs francophones ou la REF 2021. Mes chers amis, cette mission économique de la REF nous a permis d'établir des relations d'affaires et de dynamiser des relations déjà existantes. Elle nous a permis d'amplifier et d'élargir davantage nos échanges commerciaux et d'approfondir nos relations économiques. Nous posons aujourd'hui les jalons d'une coopération visant une croissance économique partagée, équilibrée entre entrepreneurs et pays francophones. Comme vous le savez, Madagascar dispose d'une réserve inépuisable d'opportunités dans des secteurs porteurs, à l'image de l'agro-industrie, des nouvelles technologies, des transports, du tourisme, mais encore et aussi de l'énergie. Nous sommes plus que jamais convaincus que les projets d'investissement ont un rôle majeur dans la réalisation de notre ambition d'émergence de Madagascar afin de rattraper le retard de développement accumulé depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle que nous confirmons notre volonté d'ouvrir la grande île à de nouvelles perspectives de partenariat plus ambitieux et plus audacieux. Et la francophonie constitue une plateforme de coopération idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent. L'État est là pour faciliter et d'accompagner la mise en œuvre de projets dans un climat et environnement d'affaires propice.
Mesdames et messieurs, mes chers amis, travaillons ensemble, coopérons davantage, explorons ensemble toutes les possibilités de collaboration. Cette mission marque le début d'une nouvelle ère entre Madagascar et les opérateurs francophones. À présent, après ces 2 jours de travail, nous allons partager un moment de détente et de convivialité. Et comme le thème de notre dîner ce soir est à l'honneur et de Madagascar, c'est une fierté pour moi de vous inviter à travers ce voyage aux saveurs et couleurs de la grande île, en passant par le caviar de Madagascar, premier caviar africain, ainsi que la crevette or rose de Madagascar. Vous sera également servi ce soir le légendaire zébu venu tout droit de Madagascar, de chez nous. Et d'ailleurs, le nom que porte notre équipe nationale de foot est le Baréa, une race de zébu à Madagascar que nous allons goûter ce soir. Cela marque notre fierté. Appréciez également nos épices malagas, le poivre, mais aussi la vanille de Madagascar, le chocolat qui a reçu le label Cacao Fin en 2019. Nous finirons ce dîner par le rhum de Madagascar. C'est ainsi que je vous souhaite une très bonne dégustation et une bonne soirée dans une ambiance aux notes musicales malagas avec le roi du salé et les stars montantes de la jeunesse. Brassou, bonne soirée et bonne ambiance.